m'attendais à entendre un peu plus des choses sur la relation entre l'humanisme et la religion. Je vais rester un petit peu à ma soif sur ce sujet, si vous voulez bien dire un mot. Alors, le deuxième point, c'est pour revenir à la question de polygamie. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis biologiste. Biologiquement parlant, c'est un phénomène tout à fait naturel. C'est une pratique tout à fait naturelle. Je ne suis pas ici en train de défendre quelque chose, mais dans la nature, chez les animaux, chez les plantes, etc., c'est une question normale. D'accord ? Mais maintenant, avec les valeurs modernes, on a tendance à incriminer, à voir que c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut même pas dire ou auquel il ne faut pas penser, etc. C'est quelque chose qu'il ne faut pas quand même diaboliser, c'est une pratique naturelle, mais bien sûr, il n'y a pas que le côté, il n'y a pas que la biologie qui joue. J'en suis conscient, il y a le mode de vie, il y a la sociologie, les relations, etc. Et heureusement, c'est pour ça que, bon, corrigez-moi, et si vous avez quelque chose à ajouter, heureusement, c'est pour ça que l'islam a ouvert la porte, mais il n'a pas obligé. D'accord ? Parce qu'il y a des situations diverses. Bon, nous vivons maintenant dans une société avec certaines valeurs, mais l'islam est estimé à tout le monde et dans toutes les générations, toutes les cultures, etc., les temps, ce qui fait que dans certaines situations, et vous avez fait allusion à ça justement, dans certaines situations, dans certaines cultures, etc., ça peut devenir une nécessité et parfois on peut l'oublier. Et dans tous les cas, dans les deux cas, ce n'est pas un crime, ni quelque chose de chercher. D'accord ? Donc, simplement, je n'ai pas quand même qu'on traite un phénomène naturel et qu'on l'insulte comme ça. Enfin, je ne dis pas que vous l'avez fait. Seulement, bon, c'est quelque chose de naturel, ce n'est pas obligatoire, mais la porte est ouverte. On peut l'oublier pendant des décennies, pendant des siècles, pendant toute la vie, si la valeur ou le mode de vie l'impose. Mais heureusement, comme j'ai dit, c'est comme ça au moins que je vois l'islam. Si vous avez quelque chose à d'autres expressions à ajouter. Merci. Merci. C'est moi qui vous remercie, professeur, parce que, au fond, moi, je ne suis pas biologiste, et moi, je ne sais pas toutes ces choses que vous dites. Donc, moi, c'est des arguments en plus que vous donnez. Mais je vais laisser sur la polygamie, je vais laisser mon ami Hassan répondre. Je vais répondre d'abord à la question sur l'humanisme. Alors, mon livre n'est pas une analyse de tous les courants humanistes. Vous savez, ça commence il y a très longtemps, hein, déjà chez les Grecs, Socrate, Platon, c'est déjà des grands humanistes, hein, et puis il y a les Épicuriens, et puis il y a Aristote, il y a la Descartes qui ont expliqué comment il faut faire pour que l'humanité vive bien. Hein, et je vous dis, ça, il y a eu vraiment un regain lorsque les chiffres ont permis aux Européens de calculer différemment et de nouveau avancer dans la science, avec évidemment Leonardo da Vinci qu'on connaît bien. Et puis la pensée a redémarré, hein. Ils ont recommencé à étudier, parce que finalement Platon, Socrate, déjà ils étudiaient les anciens textes, hein. Les textes, il y a une grande partie de la Bible qui est, alors l'Ancien Testament c'est en hébreu, mais après ça a été traduit en grec. Et le Nouveau Testament, ben, certaines choses ont été rassemblées de divers petits textes à gauche, à droite, et donc la première Bible consolidée pour le Nouveau Testament, ça a été du grec. Donc les Grecs ont évidemment analysé tous les textes religieux, mais pas que ça, ils ont aussi réfléchi et ils ont interprété tout ça.
Mais jusqu'à aujourd'hui, vous savez, vous avez en France maintenant un nouvel humaniste qui s'appelle Étienne Chouard, qui est un professeur de droit et d'économie à Aix-en-Provence, où lui, maintenant, ça a été un de ceux d'ailleurs qui a dirigé la campagne électorale contre, enfin le référendum contre la constitution européenne, comme on appelle ça, hein, contre l'unification de tous les pays européens. C'est très amusant d'ailleurs parce que tous les pays ont voté non, mais ils l'ont quand même instauré. Hein. Ils ont dit ça y est, on va changer un petit peu dans le texte et on va plus faire référendum, on va le voter au Parlement et puis au Parlement, évidemment, on fait ce qu'on veut. Donc ça veut dire que ce monsieur, il dit, il n'y a plus de démocratie aujourd'hui. C'est quoi ça? On vote pour des gens, on vote pour le candidat 1 des multinationales, le candidat 2 des multinationales, le candidat 3 des multinationales, enfin je dis les multinationales, les banques centrales, les sociétés de pharmaceutiques, les sociétés qui vendent de l'armement, toutes ces sociétés-là qui font de l'argent, qui prennent de l'argent de façon scandaleuse, enfin. Hein, le RIBA, je vais vous expliquer, la crise mondiale dans la finance aujourd'hui, je suis moi-même financier, je connais très bien. J'ai bien compris, riba, là. C'est vraiment ça qui est la catastrophe. Hein. Je peux vous l'expliquer, je peux vous parler une heure de ça, je peux vous expliquer. J'ai moi-même eu besoin de plusieurs années avant de vraiment comprendre. Mais il y a donc des forces financières, pas nécessairement d'ailleurs organisées, vous savez, on ne parle pas d'un grand complot, mais il y a des gens, il y a une dynamique dans la société économique qui fait que ben, on paye les politiciens pour qu'ils fassent ce qu'on veut bien qu'ils fassent et ce n'est plus le peuple qui a le pouvoir. Alors, je vous dis, il y a certains pays comme par exemple la Suisse, le Venezuela, enfin il y a tous les pays, le Paraguay, il y a des initiatives des initiatives populaires qui peuvent donner lieu à un référendum. Oui, alors évidemment si à 10 000 Marocains on avait la possibilité de dire on veut une loi pour savoir si Ben Kerane peut continuer ce qu'il fait, ben évidemment, ça donnerait du pouvoir au peuple. Et il y a des pays où c'est comme ça. Mais en Europe, à part la Suisse, ils font exactement ce qu'ils veulent. Et après 5 ans, ils ont fait ce qu'ils veulent, c'est les autres qui viennent, mais candidat 1 ou candidat 2, c'est la même chose. Et en plus, quand on jette candidat 1 dehors, parce qu'il n'a pas fait ce qu'il avait promis, eh bien, il a un chômage en tant que ministre pendant 5 ans, jusqu'à ce qu'il puisse revenir à la place du candidat 2 que vous avez élu. Donc ça veut dire qu'on n'a plus aucun pouvoir dans la démocratie, le peuple n'a plus aucun pouvoir, et donc il y a des philosophes qui réfléchissent à la chose pour savoir comment est-ce qu'on va faire pour retransformer ce système politique d'organisation de société. Donc les humanistes, il y a eu ça tout un temps, de tout temps je veux dire, et c'est une tendance en Europe, où voilà, il y a des gens qui réfléchissent, qui lisent, qui écrivent, mais voilà, moi j'ai appris en économie que par exemple, il faut de l'inflation. Pourquoi ? Ben, s'il n'y a pas d'inflation, les gens, l'argent qu'ils gagnent, ils le mettent dans le coffre. Et ils le mettent dans le coffre et l'économie s'arrête. C'est vrai, s'il n'y a plus d'argent dans l'économie, il s'arrête. Ah oui, oui, ah, oui, il faut quand même 2, 3, 4%, il faut un petit peu d'inflation. Autrement, les gens ne mettent plus, n'investissent plus dans l'économie. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un me dise, mais en tant que musulman, quand tu gardes l'argent, il y a le zakat, hein, 2,5%. Ton capital, il disparaît. Hein. Tu dois investir. Hein. Et encore, tu n'investis pas comme tu veux. Hein. C'est pas tous les risques pour l'emprunteur. Hein. Non, tu dois aider l'emprunteur pour qu'il s'en sorte. Parce que s'il s'en sort pas, tu perds avec lui. Et si tu veux gagner, il faudra partager le gain avec lui. Donc je veux dire, il y a tout un bon sens dans l'islam, mais qu'on découvre petit à petit comme ça. Chez les humanistes, ils découvrent ça petit à petit. Vous savez, par exemple, le divorce. Jusqu'à il y a 50 ans ou 40 ans, c'était impossible, le divorce, ça va pas, quoi. On se marie une fois dans la vie, ça y est. Et donc, les humanistes, ils sont de tout temps, mais mon livre, ce n'est pas un livre sur l'humanisme. Voilà, j'ai vraiment, moi, voulu plonger dans ce que je connaissais pas. Pour moi, j'ai été à la découverte de ce que vous connaissez peut-être mieux, mais où j'ai vraiment été en détail. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه وحزبه وحيي طلبة هذه المؤسسة الكريمة وإدارتها أولا. Donc pour répondre à la question qui, bon, étant donné qu'on a choisi, nous serait peut-être un titre scolaire tout le temps de parler cette langue étrangère, cette langue profane dont nous n'avons peut-être pas, c'est la pratique. Nous allons continuer de parler français, ne serait-ce que pour l'honneur de notre ami et frère Michel.
La polygamie en islam, c'est vrai. Quand on lit les versets du Coran qui parlent de la polygamie, le consensus des ulémas musulmans considère que c'est un choix délibéré de l'homme de se marier. Hiya ibahatu tanzih. انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة. هذه آية من كتاب الله لا ينبغي أن يردها أحد، ومن رد نصف كلمة من كتاب الله فقد كفر، وهذا أمر لا يتناطح عليه عنزان ولا يختلف فيه اثنان. Donc la polygamie en islam, mais bon, je retourne au début, au moment où nous pensions à la question qui avait fait beaucoup de mal dans la tête de mon frère Michel, du présumé mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec Umna Aïcha radiallahu anha à 9 ans, vu par les occidentaux comme étant une violence terrible faite à un enfant par le mariage terrible qui est regardé, vu comme une agression. Regardez comment le mariage est vu. C'est comme si l'homme regarde la femme comme une proie qu'il veut manger. Alors qu'en islam, le mariage islamique, c'est une autre affaire. Il faut reconsidérer d'abord le mariage. Al-Zawaj al-Rabbani. Qu'est-ce que Zawaj al-Rabbani? Je cherche une femme avec laquelle je veux continuer mon cheminement vers Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Le plaisir du corps doit passer en dernier recours, en dernier lieu. Tunkahu al-Mar'atu, comme a dit le Prophète les Arba, l'imaliha wa jamaliha wa qal wadfar bidati d-din taribat yadak. La plus belle des femmes, c'est la plus religieuse. Et non pas la plus belle au sens indécis. Déjà, des goûts et des couleurs, on ne peut point disputer. Grâce à Dieu. Il pourrait passer pour moi comme la plus laide des femmes, mais pour lui, elle est la plus belle des femmes. Je pourrais citer à ce titre ce que l'un des califes avait dit à... بوتينا التي قال فيها جميل مقال من الشعر وحرم الزواج منها. Après la mort de ce poète, l'un des califes avait Boutaina, femme ordinaire. Il dit, mais comment se fait-il que Jamil ait dit, en parlant de toi, de si beaux poèmes, tu es ordinaire, tu n'es pas belle. D'après lui, moi je n'oserais pas le dire. Tous les humains sont très beaux. Elle lui a dit, mais tu ne m'as jamais regardé avec les yeux de Jamil. Donc, il faut reconsidérer le mariage. Un mariage, c'est une rencontre de deux personnes pour vivre et pour mourir, pour construire dans la Ummah de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et non pas pour le plaisir que l'un pourrait avoir en l'autre. Et dans ce cas, la polygamie serait une aide supplémentaire à un groupe de deux personnes qui généralement ne se fatiguent à travailler au service de l'humanité, de la société. Et imaginez un homme qui a avec lui quatre femmes, trois femmes, avec leur famille qui viennent aider pour le service de ce message. Nous ne sommes pas ici pour notre petit plaisir. Nous sommes loin du chemin de Dieu si nous pensons que notre petite vie est pour notre petite personne. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans la Hajjat al-Wada, n'a pas laissé de message personnel aux hommes, aux musulmans. فَلْيُبَلِّرُ الشَّهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبُ. C'est un message qui doit continuer de vivre comme le sang dans un corps à travers l'histoire. Depuis le premier des musulmans jusqu'au dernier des musulmans, que la terre verra, Inch'Allah, après longtemps, avant la fin de ce monde. Donc la polygamie, jamais personne n'osera ni ne pourra en dire du mal. Mais il faut que ça se fasse dans un consentement général. D'abord entre le mari et sa première femme, et ensuite entre le mari et le reste, entre cette petite famille et le reste de la société. Aujourd'hui, nous n'acceptons pas la polygamie. Il y a quelque chose dans l'air qui dit que fou est celui qui, aujourd'hui, se marierait
avec deux, trois ou quatre femmes, parce que au lieu de construire, on détruit au Maroc. Et dans beaucoup de pays musulmans, le discours éducatif régnant n'accepte pas cela. Un jour, pour rire, j'ai dit, pour avoir quatre femmes, il faudrait que je commence par la quatrième. Parce que la première, elle est là maintenant, elle refuse. Et je crois que c'est naturel. Je vais vous dire pourquoi c'est naturel. Je dirai à mon frère, professeur respectable qui vient de parler, le jour où une famille est venue offrir une fille, une belle, la plus belle peut-être d'une tribu, à Sidna Ali, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'était pas un mariage demandé par Sidna Ali, mais c'était une offrande donnée au compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sidna Ali s'apprêtait à accepter cette femme et à se marier avec elle. Vous savez ce qui est arrivé? Je crois que ça va être mis entre parenthèses. Et ça va être destiné seulement à Fatima Zahra, radiallahu anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est entré à la mosquée. Il a gravi les marches de son minbar. Il a appelé les gens à la mosquée. Et il a dit, celui qui fait du mal à Fatima Zahra fait du mal à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui fait de mal à Sidna Rasulullah, il en fait à Dieu. Il ne voulait pas que sa fille, Fatima Zahra, ait une autre femme partageant Sidna Ali. Donc, il y a quand même quelque chose dans le cœur de la femme ou dans la famille de la femme qui refuse qu'il y ait mariage. Mais les hommes qui se sont mariés avec trois ou quatre femmes, ils ont eu le courage de supporter, d'assumer pour le faire. Mon grand-père avait deux femmes. Et derrière nous, il y a beaucoup de pères qui avaient plusieurs femmes. Et ça fait partie de notre religion. Quiconque, personne, n'a le droit de dire que ça ne doit pas être. Mais c'est le choix et le consentement de la famille. Comme avec Mouna Aïcha, le mariage avec une jeune fille dans l'islam, déjà dans la doctrine malikite, il n'y a pas d'âge. Quand vous dites quel est l'âge accepté dans le mariage, l'islam ne parle pas de l'âge. Parce que vous, parents, quand quelqu'un vient demander la main de votre fille, vous savez, un père ne va pas marier une fille trop jeune. C'est laissé au consentement de la famille. Comme c'est laissé au consentement de chacun et de la société, de choisir une, deux ou trois femmes, ça dépend. Aujourd'hui, je crois que la société refuse. Nous sommes allés trop loin dans la suite de l'Occident dont vient de parler mon frère. Notre professeur sallam dit dans un hadith authentique, « La tattabi'unna sanana allazina kanu qablakum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta iza dakhalu juhra dabbin dakhaltumuh. La tattabi'unna » Et je crois que nous sommes en plein dans juhra dabb. Et c'est pourquoi beaucoup de choses qui sont partie intégrante de notre religion sont aujourd'hui presque impossibles. Je vous remercie. S'il y a encore une question. Il y a des questions. Je vais appeler une montrer qu'il y a certaines questions de notre religion qui appellent à ce que nous devons être au niveau de sa compréhension. Et que le contexte dans lequel nous sommes en train de vivre est très difficile pour des centaines de comprendre le chemin du musulman normal. Quand j'ai dit, vous entendrez. Maintenant c'est mieux. Quand je disais que c'est un contexte qu'il faudrait voir Aïn Ibn al-Rahman, qui est le cousin du prophète, son fils, les premiers croyants, il était très jeune quand il a suivi le prophète, a donné une phrase qui peut expliquer que la polygamie fait partie de la fraternité entre les femmes. Il est très difficile à comprendre. Il a dit, Dieu bénit ceux qui restent après les combats, ceux qui retournent les combats. C'est pourquoi ils sont bénis. Parce qu'ils vont rajouter à leurs femmes
les femmes et leurs frères qui se sont qui sont noirs ou maudits. Et bien sûr, ces femmes, dans ce contexte-là, avec leurs enfants, vont être accueillies comme une hospitalité. Ce n'est pas du tout ce que nous sommes en train de voir parce que, comme a dit le prophète Ismaël, c'est l'effort d'action dans notre mouvement va cesser, et bien il va y avoir une déstabilisation. Donc, essayez de comprendre le Sénégal et son contexte qui n'est pas limité à l'époque de la vie de Victoria, mais qui est général jusqu'à la fin de nos jours. Il faudrait que notre mouvement soit plus vivant. Donc, il y a la fraternité. Moi, j'ai vécu avec mon grand-père qui avait de nombreuses femmes, et j'ai vu que c'était vraiment une confrontation continue et continue. Parce qu'il n'y avait pas, malgré le fait qu'il y avait le nationalisme, ceci et cela, mais il n'y avait pas ce contexte où la femme va sentir qu'un jour peut-être son mari va mourir et que je suis obligé d'aller voir de vivre chez une autre femme qui dont le mari n'est pas mort. Alors c'est un contexte qui est complémentaire que nous ne pouvons pas actuellement comprendre si on n'arrive pas à nous projeter. Bon, on va ajouter deux questions et puis on écoute nos professeurs et on va faire une prière. Bon. Donc, je vais commencer par la question de la polygamie. Donc, je remercie M. Boyer pour ses interventions parce qu'il a parlé de contexte, ce qui est très très important. Donc, quand vous avez parlé de nombre, je pense que c'est un outrage aux femmes. C'est-à-dire que vous avez dit qu'il faudrait protéger les femmes, enfin se marier avec les femmes pour les protéger. Je pense que c'est un point de vue assez rationaliste et pragmatique pour raisonner avec l'ombre, alors que vous dénigrez l'humanisme, donc de un. Deuxièmement, si c'était vrai, alors chaque homme qui sort de cette salle, il va se marier avec les trois premières femmes qu'il rencontre, donc pour les protéger. Donc ce n'est pas possible. Selon lui, c'est pas possible. Donc, en ce qui concerne l'humanisme, alors je suis d'accord avec M. Dioli, qui est le biologiste. Donc, moi, j'aurais préféré qu'on se penche plus sur des idées beaucoup plus importantes. C'est-à-dire que moi, ce que j'ai constaté, c'est une certaine empathie envers les musulmans qui. Il faudrait nous l'avouer, ils vivent la décadence. Donc, moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'on puisse parler un peu du côté positif de l'humanisme et de son côté négatif. Parce qu'il ne faut pas être parcelle, c'est-à-dire qu'il faudrait souligner un peu ce qui fait défaut, mais il ne faut pas être parcelle. Et moi, j'ai senti que vous étiez parcelle, parce que l'humanisme, avec Descartes et Kant, par exemple, la justification philosophique de droit de l'homme actuellement est basée sur les textes de Kant. Descartes aussi, il a servi l'humanité parce qu'il a montré un peu ce qui fait défaut dans la religion catholique. Donc, tous ces points-là, vous n'en avez pas parlé, ce qui est très important. Ce qui fait de votre discours, je veux dire ce qui le rend très. Ce qui nous obscurcit davantage, c'est-à-dire que